OK, attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ah, c'est parti avec une voiture qui a dû partir des box puisqu'elle a calé. Sur la grille de départ, c'est la procédure normale. Ouh là-bas, hein. Un tas de buggy malheureux. C'était pas un si bon départ, mais je crois que les voitures de tête ont réussi à passer la même. J'aime trop les autres concurrents mal de cette course parce qu'elle a déjà un tour de retard, donc pas qu'elle en proposition. Ouais. Allez, on normalement laisser les canons, mais c'est quand même la toute petite. Alors, 4, 6, 3, 9, 7, 7, 8, 1, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, mais c'est pas forcément bon pour le véhicule non plus. Ça reste quand même relativement fragile. On a la fin de course, on a en 4 secondes et demi exactement. On a 4 voitures, 5 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 voitures, alors, quatrième tour déjà pour la numéro 2. Également pour la 4, 3ème, la 3, 4ème, la 6, 5ème, la 9, la 1 maintenant. Alors, venons juste pour les spectateurs, je suis désolé de vous dire ça, mais la. S'il vous plaît, si que vous déplacez vos véhicules, il y a des places de parc à 100 mètres. Si la voiture est gratuite aujourd'hui, de toute façon, on est dimanche. Mais surtout, surtout pas en double vie. Ça fait beaucoup de problèmes à la circulation. Et malheureusement, la police, dans 3 minutes, va dévier et ça coûte très cher. Je ne sais pas comment, si jamais. Donc, s'il vous plaît, déplacez vos véhicules qui sont le long de la route ici, parallèle à la route nationale. C'est important parce que la police va passer, elle va sonner. Alors faites attention. 2, 3, 4, 6, le bon longtemps. Les 14, la 4 est repartie en deuxième position maintenant. Alors que ce qui se passe avec la 3, c'est la petite tente. Une seconde, une grosse casquette, c'est seulement 5 et 12e la 8 et toujours qui perd la marche mais qui tient le rythme de toute façon c'est la voiture numéro 5 la dame du champ de la 8 la 5 qu'on retrouve toujours et la course comme ça. Alors c'est la voiture, on se pose toujours la question mais comment ça marche et tout, ben c'est très simple. La voiture se roule 4 roues automatiques, donc il y a 4 roues. Ah, ça marche.
d'ailleurs. Alors cet engin qui fait environ 2,5 kg, je crois, par là autour, est par un moteur de 3,5 cm3, un moteur de 5 allumage, une bougie incandescente qui reste donc rouge afin de faire une explosion lorsque le piston arrive en haut. En débutant sur 3,5 cm3 qui développe plus de 2 chevaux de puissance. Elle a calé une voiture. C'est la voiture. C'est la 11, malheureuse, elle était 7e. Alors 3,5 cm3 qui utilise plus de 2 chevaux et 6,5 tonnes de moteur à plus de 30 000 tours au minute. La police de la micro-mécanique est une précision incroyable qui permet d'avoir une régularité dans ces moteurs extrêmes et surtout une puissance. Vous pouvez imaginer 2 fois 6 ou 3,5 cm3, ça vous fait passer 700 chevaux au litre, mieux que les formules 1, c'est pour vous dire. Alors bien sûr, ce n'est pas l'essence normale qui carburant, mais un mélange de environ 70% de gasoil méthylique, hein, c'est simplement de et 20% de nitrométhane, ça donne à partir de au moteur, on va dire comme ça, et finalement 10% de synthétique qui permet d'avoir un graissage optimum de tout ce qui est bouge dans ces moteurs. Alors, retour au chargement. 4% en 2e position, 3 est en 3e position, la 1 est en 4e position, la 6 est en 5e position, la 7, 7e la 9, 8e la 12, 9e la 10, 8e la 8, 11e la 5 et 12e la 11 qui, a priori, s'est arrêtée. Ouais, c'est ça. Même pour moi.